Bonjour tout le monde, bienvenue à Options Région. Aujourd'hui, on parle de rivières souterraines, on parle d'exploitation minière au fond de l'océan, on parle aussi de zonage agricole, d'intelligence artificielle. Et on a également une entrevue avec Marie-Ève Arbour, qui est la fondatrice de Visages régionaux. On commence avec l'actualité. Bien, justement, dans la revue L'actualité de septembre 2017, qui vient tout juste de sortir, il y a un article sur les rivières à Montréal. Saviez-vous qu'à Montréal, au début de la colonisation, puis encore plus récemment, il y avait beaucoup de rivières à Montréal qui coulaient dans différents secteurs de Montréal? Il y avait entre autres la rivière Saint-Pierre dans le secteur de Pointe-à-Calière, il y avait la rivière Saint-Martin dans le Vieux-Montréal, il y avait aussi les ruisseaux Prud'homme, Notre-Dame-des-Neiges, Mijon, etc., etc. Il y avait même aussi un marais sur le plateau Mont-Royal. Eh bien, tout ça, c'est complètement disparu. On apprend dans l'article que ces rivières, ces ruisseaux sont maintenant dans des canalisations, là, des espèces de gros tuyaux en ciment. Ça coule en dessous, mais personne ne sait qu'il y a une rivière en dessous d'eux. Et ça, comme on dit, en l'espace de quelques dizaines ou centaines d'années, ça a complètement disparu. Ce qui est un peu curieux, c'est de voir qu'à Montréal, alors que c'est très urbanisé puis très artificiel, on voit beaucoup de gens de Montréal qui, en même temps qu'ils vivent dans un milieu très artificiel, demandent que les régions ou même la forêt soient à 100 % naturelles. On dirait que plus tu demeures dans un endroit artificiel, plus tu veux que le reste du Québec soit naturel. Il y a comme quelque chose là qui est un peu dur à comprendre, là. Puis ça, ce que ça correspond souvent à « c'est plus facile de régler les problèmes des autres que les nôtres ». Mais je pense qu'il va falloir qu'on trouve un équilibre là-dedans. Bon, moi, que les gens de Montréal puissent critiquer ce qui se fait en région, je n'ai pas de problème avec ça, mais je pense qu'ils devraient d'abord et avant tout s'occuper de leurs propres problèmes. Essayer de redonner une qualité de vie, essayer de redonner un visage plus naturel à la ville de Montréal. Et je dirais que c'est possible, ça. Puis même, c'est nécessaire, parce que c'est quand on est capable de régler nos propres problèmes qu'on peut éventuellement aider les autres. Quand on pense qu'on n'a pas de problème puis qu'on essaye d'aider les autres, ça ne donne pas grand-chose. Autre sujet, toujours dans l'actualité de septembre, les mines au fond des océans. On a connu déjà les mines à ciel ouvert, on a connu les mines aussi souterraines, et là, voilà venu le temps d'avoir des mines dans le fond de l'océan. Et quand je dis dans le fond de l'océan, c'est vraiment très cru. Là. On parle là, qu'il pourrait y avoir des mines dans des profondeur peut-être jusqu'à 2500 mètres, ça veut dire à peu près 8000 pieds de profondeur. C'est complètement fou, là. C'est ce qu'on appelle dans les abysses, là. Et pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Bien, d'abord, parce qu'on a découvert qu'il y avait beaucoup de minéraux dans le fond de l'océan, que ce soit, ça peut être de l'or, du cuivre, du cobalt, du nickel, toutes sortes de minéraux, entre autres, qui sont nécessaires pour fabriquer les téléphones intelligents et toutes ces petites bebelles-là. En 2019, il va y avoir un projet qui va commencer, semble-t-il, dans la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en face, là, en avant, à une profondeur d'à peu près 1600 mètres, là, c'est quand même assez profond. Et là, on peut voir que c'est quelque chose de très réel, parce que, entre autres, dans l'actualité, on a vu des photos, des machines, là, des immenses machines là, qui vont aller gruger le fond de l'océan, qui vont être reliées avec des tuyaux, puis ça va remonter sur un gros bateau en haut, et finalement, on va faire de l'exploitation minière dans le fond de l'océan comme ça, alors que, dans le fond, on n'a aucune idée de ce que ça peut avoir comme impact, comment est-ce qu'on va faire pour réparer ça s'il y a un problème. On se lance vraiment dans la grande improvisation. Alors que beaucoup de monde se pose des questions avec raison, l'industrie minière, elle, se fait rassurante. Elle dit que ça pourrait être l'occasion de faire des choses beaucoup mieux qu'avant, parce qu'il ne faut pas oublier là, qu'une bonne partie des entreprises minières qu'on a connues, entre autres au Québec, là, ont fermé dans des conditions inacceptables. Ils ont laissé des dépotoirs, des immenses terrains très pollués avec toutes sortes de produits, que ce soit le mercure ou d'autres choses, là. On a vraiment laissé des dépotoirs à ciel ouvert un peu partout au Québec, puis on en a laissé pour à peu près 2 milliards de dollars là, de sites qu'on va être obligé de payer à même nos taxes parce que les compagnies ont préféré faire faillite plutôt que de s'occuper de leur terrain, s'occuper de leur pollution. Est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance? Je ne suis pas certain, d'autant plus que qui va aller surveiller à 2 000 pieds ou à 5 000 pieds en dessous des mers pour savoir s'il y a eu un problème ou pas?
Ça m'inquiète grandement. Est-ce qu'on a le choix? Oui, on a le choix. On n'est pas obligé d'embarquer dans ce genre de projet-là, bon, d'une part, parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'emplois de créer, parce que comme vous avez pu voir, là, c'est que c'est des immenses machines qui sont automatisées. Il y a quelqu'un qui va faire fonctionner ça en haut, là, mais disons que ça ne crée pas beaucoup d'emplois. Puis aussi, c'est qu'avant de se lancer dans des projets de ce genre-là, il faudrait d'abord qu'on fasse le recyclage des métaux pour toutes sortes de produits là, qu'on jette là, présentement, que ce soit les téléphones cellulaires, les télévisions, les écrans portables, les ordinateurs, etc. Tout ça, là, ça finit à la poubelle pour une bonne partie. Et il y a plein de métaux précieux là-dedans. Il faudrait d'abord et avant tout qu'on commence par faire de la récupération avant de se lancer dans des projets dans les fonds marins en disant « on n'a pas le choix, on manque de métaux ». Oui, on a le choix. Et à ce sujet-là, la compagnie Apple, qui est une des plus grosses dans ce monde-là, a déclaré récemment, en 2017, là, qu'elle avait l'intention qu'un jour, elle puisse faire des appareils à partir de matériaux recyclés. Mais un jour, c'est quand, ça? Pour le moment, ça reste un vœu pieux et on ne peut pas accepter ça. Si ces compagnies-là ont fait des milliards de dollars de profit, je pense qu'ils doivent être capables de faire de la récupération. Et si les compagnies comme Apple ne font pas de récupération de leurs produits, bien, peut-être qu'un jour, il y aura d'autres compagnies qu'on pourra encourager, qui feront du recyclage, qui à ce moment-là, non seulement vont faire du recyclage, mais vont pouvoir prendre la place des compagnies qui ne voulaient pas en faire. Puis si ça n'arrive pas, bien, je pense qu'il va rester une chose à faire, c'est que c'est le rôle de l'État, d'un pays, d'une province, même d'une municipalité à la limite, de dire qu'il y aura une taxe pour refus de recyclage. Je pense que c'est là qu'on est rendu. Zonage agricole. Dans la presse plus du 10 octobre, il y avait un excellent dossier sur le zonage agricole au Québec. On parle entre autres de la Commission de protection du territoire agricole. Et le titre de ce dossier-là était « Crise de confiance envers le gendarme agricole ». C'est sûr que depuis la création de la loi sur le zonage agricole en 1978, il y a eu beaucoup de critiques, c'est normal. Mais là, ce qui est différent, c'est qu'il y a à la fois les détracteurs puis les défenseurs de la Commission qui ne sont pas contents. Bon, parce que, dans le fond, pour certains, elle est trop intransigeante et pour d'autres, elle est trop sous pression. Et de plus, une affaire qui est quand même assez inquiétante, c'est que celui qui respecte le moins le zonage agricole, c'est le gouvernement. Le gouvernement ne respecte même pas sa loi. À plusieurs occasions, soit pour passer une autoroute ou d'autres choses, le gouvernement suspend la loi sur le zonage agricole pour pouvoir faire ses projets. Mais quand l'État ne respecte pas ses propres lois, ça commence à être difficile de la faire respecter ailleurs. Puis aussi, un autre phénomène qui est dénoncé par un certain nombre d'intervenants, c'est qu'on voit qu'autour de Montréal, les meilleures terres se font dézoner, alors que dans les régions comme chez nous, c'est que les terres de roche, on n'est pas capable de les faire dézoner, ça reste supposément pour le bien de l'humanité. C'est assez questionnant. Qu'est-ce qui fait que c'est plus facile de dézoner à Montréal que dans les régions? C'est qu'entre autres, c'est qu'une des questions les plus importantes pour accepter le dézonage, c'est est-ce qu'il y a encore des terrains dans votre municipalité qui pourraient être construits? S'il n'y en a plus à ce moment-là, c'est que le zonage se fait assez rapidement, parce qu'on dit ben, on n'a pas le choix, il faut répondre aux besoins. Mais qu'est-ce qui se passe dans les régions? C'est que dans les régions, souvent, il va rester deux, trois terrains dans une petite municipalité. Vous avez encore des terrains, mais des fois, les gens, ils ne veulent pas toujours avoir ces terrains-là, ils veulent avoir d'autres choses. Mais là, il y a un problème fondamental, c'est que dans la dynamique actuelle, c'est que les meilleures terres s'en vont, puis on va garder les moins bonnes. Il faut qu'on trouve une solution à ça. Dans l'article de la presse, on intervient entre autres Bernard Vachon, qui est un professeur de géographie maintenant à la retraite, qui a fait sa vie à être un défenseur du développement local, qui a amené une analyse assez intéressante, puis je vais vous lire qu'est-ce qu'il disait. C'est que lui, il dit que, de façon paradoxale, c'est dans la région de Montréal où la loi devrait être appliquée avec le plus de rigueur qu'elle fait preuve de laxisme. Alors que sur les terres désertées par l'agriculture, dans des municipalités en dévitalisation qui ont un urgent besoin de nouvelles familles et d'une plus grande diversité d'activités économiques, la loi s'applique mur à mur, sans souplesse. Je crois que le Québec est mûr pour une révision en profondeur autant de la loi que du rôle de la Commission de protection des territoires agricoles. Je pense qu'on est capable de faire ça et d'avoir comme objectif à la fois de protéger les meilleures terres, mais aussi de favoriser l'occupation dynamique du territoire des milieux les moins urbanisés.
On reçoit maintenant Marie-Ève Arbour, Marie-Ève qui est la fondatrice de Visages régionaux. Bonjour Marie-Ève, ça va bien? Ça va très bien, merci. Bon, OK. Tu as fondé Visages régionaux en 2011. Puis, est-ce que tu peux nous décrire brièvement c'est quoi Visages régionaux, puis aussi c'est quoi les principaux services que vous offrez? Bien, en fait, Visages régionaux, on est une entreprise spécialisée dans le développement régional. En fait, on anime là un répertoire du développement collectif, en fait, de toutes sortes d'initiatives qui s'inscrivent dans un développement collectif des régions du Québec. On le fait parce qu'on pense que c'est important de pouvoir accéder à cette information-là. Et c'est la raison pour laquelle on anime le répertoire, mais on offre aussi des services en développement régional, marketing territorial, développement local, gestion de projet. On accompagne notre service, disons, le plus populaire, là, ou celui sur lequel on travaille le plus, c'est celui de la stratégie d'attraction. Donc, on aide soit des municipalités, comme on travaille avec une municipalité Saint-Hubal dans la MRC de Portneuf, mais aussi avec la MRC de Charlevoix ou la région de la Baie-James. Donc, les territoires peuvent être de différentes grandeurs, mais dans le fond, le but, c'est de les aider à développer leur attractivité. Et nous, on a une spécialisation autour des 18-37 ans, là. Donc des gens qui ont cet âge-là et qui, pour X raisons, pensent ou ont envie finalement d'aller réhabiter les régions. Une chose qui m'a surprise un peu, vous avez fait une catégorie d'âge, vous avez choisi les 18 à 37 ans. Pourquoi les 18 à 37 plutôt que les 18 à 35 ou les 18 à 40? Simplement parce que ça correspond à la catégorie d'âge qui est la génération des milléniaux. C'est pas nous qui avons inventé cette catégorie-là. Là. On s'est plutôt basé sur des études existantes et on est allé chercher des informations sur cette clientèle-là, si on veut, des territoires. Mais c'est pas la seule clientèle des territoires. Évidemment, les X, les boomers, les personnes âgées peuvent être autant de clientèles intéressantes qui peuvent mener aussi à des positionnements intéressants. Mais nous, vu qu'on est de cette génération-là aussi, on sentait qu'on était un peu mieux outillés aussi là, pour aller vers là. Mais on n'exclut pas là, les autres là, pour autant. Et aussi, la raison pour laquelle on s'est arrêté sur les milléniaux, c'est que, en fait, c'est souvent la clientèle cible des municipalités parce qu'ils sont à l'âge de s'établir, de fonder une famille. Donc, ils vont faire rouler l'économie, les commerces, l'école et tout ça. Et c'est aussi la génération montante là, sur le marché du travail. Ils occupent de plus en plus de postes d'influence dans les entreprises. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on a décidé de lancer cette étude-là sur la migration des jeunes en région. Par rapport auxquelles on est allé chercher, mettons, trois grands types de questions, trois grands types de réponses à trois grandes questions. La première étant, quels sont les motifs qui vont stimuler finalement l'envie d'aller vivre en région? Donc, une fois que la personne est dans son 4,5 à Montréal, qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle va se dire, moi, j'ai envie d'aller vivre en Abitibi, par exemple? Bon, puis une fois que cette décision-là est prise, la deuxième question qu'on s'est posée, qu'est-ce qui va motiver le choix d'une municipalité plutôt qu'une autre? Donc, on est allé chercher des données là-dessus. Et ensuite de ça, on est allé un petit peu plus loin dans notre stratégie d'attraction. On a différents leviers d'action sur lesquels les municipalités peuvent agir. Donc, on est allé demander aux gens par rapport à ces différents leviers-là, quels incitatifs, quelles mesures pourraient être mises en place et qui pourraient vous intéresser. Donc, à chaque fois, on posait une question, on proposait différentes mesures et les gens nous disaient laquelle trouvait la plus attractive. Mais justement, par rapport à ça, est-ce que tu peux nous dire, on commence par le début, là, quels sont les principaux motifs qui font en sorte qu'un jeune décide de quitter un grand centre urbain pour aller dans une petite communauté? Les trois principaux motifs de migration sont, le premier, c'est qu'ils sont à la recherche d'un mode de vie qui va correspondre à leurs valeurs. Donc, ils ont parlé de tranquillité, de simplicité, de se rapprocher d'un idéal plutôt que de s'éloigner de quelque chose. Donc, la comparaison était intéressante pour nous à faire. Est-ce que les jeunes cherchent à fuir la ville ou plutôt à habiter les campagnes? Donc, on se rend compte que c'est plutôt propulsé par un désir positif de changement, finalement. La deuxième raison en importance,
de se retrouver dans un cadre propice pour élever une famille. Donc, tout ce qui touche, bon, c'est ça, justement, avoir des enfants et aussi se rapprocher de sa famille d'origine ou celle de son conjoint. Donc, ça, c'est la question familiale, là, arrivée assez vite, donc la deuxième en importance. Et la troisième, c'est tout ce qui touche la nature, le paysage, donc l'environnement extérieur, l'accès au sport de plein air et tout ça, là. Donc, là, on était vraiment dans les trois principaux motifs de migration. Donc, ça, c'était pour cette première question-là. Puis, qu'est-ce qui fait que les jeunes vont choisir une municipalité par rapport à une autre? Parce que dans le fond, un petit village, ça ressemble à un petit village, là, mais est-ce qu'il y a des éléments qui font qu'il y a des villages qui sont plus attractifs que d'autres? Ouais, ben là, encore une fois, ici, on avait proposé différentes options finalement pour regarder un peu qu'est-ce qui pouvait être déterminant. Évidemment, on s'y attendait, là, la question du logement, donc l'accès à la propriété, soit une maison à rénover, construire, un terrain pour construire ou une maison déjà clé en main qui est intéressante. Donc la question de l'habitation, de l'accès à la propriété est très importante. Et deuxième raison en ex aequo finalement avec celle-là, c'est la question de la proximité de l'emploi. Donc là, on a encore un élément qui est important, donc favoriser l'emploi, mais aussi l'entrepreneuriat, parce qu'on le sait, les milléniaux dans les études sont de plus en plus portés vers l'entrepreneuriat. Ils ne se retrouvent pas nécessairement dans les modèles traditionnels qui sont proposés par les grandes entreprises. Donc cette question-là est très importante. Et ensuite, les deux autres raisons qui arrivent aussi ex aequo, là, finalement, ça a donné comme ça, c'est celle d'avoir la perception de s'en aller dans une communauté qui est dynamique. Donc, oui, il faut travailler sur l'accès à la propriété, l'emploi, mais le dynamisme de la communauté dans laquelle les jeunes vont aller s'établir est très important. Et le fait d'avoir un réseau de famille, d'amis à proximité aussi, là, ça peut aider. Donc, l'idée, c'est de partir aussi pour les municipalités, de partir de leur territoire, de partir de leur force, de stimuler le dynamisme de leur communauté, mais aussi de s'appuyer finalement sur les résidents pour bâtir une stratégie d'attraction qui va réussir parce que les gens s'en vont quelque part parce qu'ils connaissent des gens qui sont déjà là ou ils ont un sentiment qu'ils vont pouvoir se faire un réseau d'amis à cet endroit-là. Un des éléments importants qui permet d'attirer des jeunes, c'est le développement du sentiment de fierté. Comment est-ce qu'on fait ça pour développer un sentiment de fierté dans une communauté? En fait, je pense que c'est un processus qui se fait sur du long terme. En fait, là, c'est de créer des occasions. Tu sais, il y a toutes sortes de façons de stimuler la fierté sur un village, mais d'avoir des réalisations concrètes, c'est souvent quelque chose de central, là. Tu sais, on regarde notre village, on est fier parce qu'il est beau, parce qu'il se passe des choses. Donc de laisser la place. Tu sais, par exemple, moi, il y a un contrat sur lequel je travaille en ce moment, c'est de développer un espace de travail partagé, un coworking, comme on dit en bon français, en plein centre du village. Et en fait, c'est la municipalité qui a un peu, en fait, qui ont répondu à un besoin des citoyens, mais c'est la corporation de développement qui mène le projet. La municipalité n'a pas investi d'argent dans ce projet-là, mais a mis les gens ensemble et a permis qu'un projet comme ça puisse se réaliser ou du moins se travailler. T'sais. Donc, c'est d'être proactif, d'aller vers ce que les gens ont besoin. Puis je pense que c'est évidemment c'est sur du long terme, mais de réaliser des choses, d'avoir des gains et de construire un peu cette mémoire collective-là qu'on a dans nos villages par des moments, des événements, des lieux de rencontre, tu sais, d'avoir ces occasions-là de se rencontrer puis d'être ensemble finalement. OK. Compte tenu du fait qu'on est en période d'élection municipale, il y a beaucoup de gens, d'hommes, de femmes qui vont se présenter comme candidats ou candidates à la mairie ou comme conseillers ou conseillères. Est-ce que tu aurais des suggestions à faire à ces candidats-là ou ces candidates-là pour aider à améliorer leur municipalité? Ben écoute, on a énormément de contenu là-dessus sur les mesures qui peuvent être mises en place.
Ce qui est important, par contre, c'est de ne pas penser qu'il y a de recettes miracles. Tu sais, on parlait tout à l'heure, avant d'être en onde, mais on parlait du village de Saint-Camille comme étant un exemple de développement, parce que, bon, ils ont développé un terrain résidentiel pour des jeunes et tout ça. C'est intéressant comme modèle, Saint-Camille, mais ce n'est pas parce que ça va marcher à Saint-Camille que ça va marcher ailleurs. Donc, c'est important, l'étape numéro un, c'est de partir de ses forces, de partir de son territoire, parce que c'est de là que tout commence et que tout peut se créer finalement. Mais si on ne part pas de nos forces et de ce qu'on est vraiment, d'après moi, si on fait juste appliquer une recette qui se fait ailleurs, on n'arrive pas à quelque chose d'intéressant parce que le processus sur lequel se construit une stratégie d'attraction est aussi important que le document final. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait quand on travaille l'attraction dans les municipalités, ben, c'est qu'on implique les citoyens dès le départ. On leur pose des questions sur Facebook, on fait des sondages dans la communauté, on implique les entreprises, on implique les organismes, on implique les citoyens. On leur demande à eux-mêmes, c'est quoi quels sont les éléments de fierté dans village, selon eux, pourquoi les gens auraient envie d'aller s'installer. Donc, on construit sur ce que les gens nous disent et on fait des consultations publiques ensuite. Donc, tout le processus vise à impliquer le plus possible les citoyens dans la démarche. Donc, ça, l'implication de la communauté et de partir de son territoire et d'être créatif finalement, là, c'est les trois principaux conseils que je peux donner. OK. En début d'émission, j'ai parlé qu'il y avait un dossier spécial sur le zonage agricole dans la presse plus. Est-ce que tu penses que le zonage actuel au Québec favorise l'établissement des jeunes en région? Je pense que la question du zonage agricole, c'est une question très complexe. Il y a la Fédération de la relève agricole du Québec là, qui travaille à établir, là, à favoriser les conditions d'établissement pour les jeunes en agriculture, qui font un super travail dans ce sens-là. Je pense que le zonage agricole existe, la loi sur la protection des terres agricoles existe pour des raisons qui sont très valables, c'est-à-dire protéger les terres agricoles de toutes sortes de développements, que ce soit immobilier, commercial et tout ça, parce que nos terres agricoles sont importantes. Donc, la question du zonage agricole est essentielle, est importante. Je pense qu'il faut conserver ça. Il y a peut-être certains ajustements qui sont nécessaires, mais toujours est-il que c'est ça. C'est une question complexe. Moi, je pense que si on devait, le gouvernement devrait réglementer sur quelque chose, il devrait plutôt réglementer au niveau de toutes les fonds d'investissement privés les Pangea, les Aigues et tout ça de ce monde qui arrivent et qui s'accaparent des terres. La question d'être des exploitants en cravate, finalement, et d'avoir des emplois agricole. Moi, je pense que cette question-là est beaucoup plus importante que celle du zonage des zonages, mais c'est un avis personnel. Mais c'est sûr que cette question-là est importante là, pour l'établissement des jeunes quand même. En terminant, Marie-Ève, si je te demandais tes coups de cœur, qu'est-ce que tu aurais à nous proposer comme coup de cœur? Vous m'aviez parlé de coup de cœur de produits régionaux. Nous, dans le Kamouraska, on a énormément d'artistes, d'artisans, de créateurs, d'agriculteurs qui travaillent à occuper les régions finalement et à les rendre plus dynamiques et de par leur entrepreneuriat social et environnemental. Donc, pour mettre à l'honneur tous ces produits-là de notre région et aussi de l'extérieur cette année, on organise pour la troisième année consécutive, Visages régionaux co-organise, là, c'est un marché de Noël, le marché populaire. Et donc, j'ai pas un coup de cœur, mais j'en ai plusieurs. Bien, merci beaucoup, Marie-Ève, ça nous a fait plaisir. Merci beaucoup. Cette semaine, je vous parle du soutien technique pour tous les équipements, le iPod et téléphone, ordinateur, etc., qui sont des outils super extraordinaires quand ça fonctionne bien, mais quand ça ne fonctionne pas, là, on est hyper dépendant, on est mal pris, comme on dit. Et ça m'est arrivé dernièrement parce que semble-t-il que je manquais de capacité d'entrée de données. Il fallait que je fasse un stockage supplémentaire sur le iCloud. Mais malheureusement, comme je ne suis pas très bon, je suis allé voir mon fournisseur de services qui m'a dit qu'il ne pouvait rien faire, qu'il fallait que je communique avec la maison mère, comme on dit, Apple. J'ai appelé le soutien technique et après avoir fait le 1, le 3, le 6, etc., vous savez comment ça fonctionne, avoir attendu 10-15 minutes, j'ai fini par parler avec quelqu'un.
Mais cette personne-là m'a dit qu'elle avait de la difficulté à me comprendre. Elle m'a dit que j'étais au service francophone, mais au service francophone d'Europe. Donc, je parlais avec un Français. Et tout le monde sait que les Français ont de la difficulté à comprendre les Québécois. Peut-être parce qu'on parle pas assez, bon, peut-être parce qu'on dit pas assez de mots en anglais. Et finalement, lui, ce qu'il m'a dit, c'est que je vais vous retransférer au service francophone québécois. Et là, après avoir attendu encore un bon bout de temps, j'ai fini par parler avec une personne qui m'a arrangé mon problème. Ça a été très bien. Mais est-ce qu'il y aurait moyen que les gens qui travaillent dans l'intelligence artificielle puissent voir que quand il y a quelqu'un avec un numéro de téléphone du Québec, on envoie ça directement au service francophone du Québec plutôt que d'envoyer ça en France ou en Belgique ou ailleurs? Je vous rappelle que vous pouvez faire parvenir vos questions à la télévision locale de Dolbeau-Mistassini. Vous avez l'adresse qui est présentement à l'écran. Notre question de cette semaine nous provient d'Andréane Bouchard qui nous demande, bon, Philippe Couillard veut développer un réseau québécois de pôles d'innovation dans les régions pour assurer leur développement à long terme. En quoi consiste un pôle d'innovation et qu'en pensez-vous? Bon, d'abord, c'est qu'on pourrait dire un pôle d'innovation, c'est de regrouper ensemble des gens qui vont développer une expertise, qui vont être capables d'aller plus loin que s'ils étaient seuls. Je pense que ça a du bon, mais ce n'est pas quelque chose qui est complètement nouveau, là. Ça existait, entre autres, du temps du Parti québécois, il y a peut-être une vingtaine d'années. Dans ce temps-là, on appelait ça des créneaux d'excellence. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, mais ça a des avantages et des inconvénients. Ça peut être bon parce que le fait de mettre ensemble des gens puis de prioriser un secteur, ça peut l'aider à aller plus vite. Mais si on est enfermé dans ce secteur-là, ça peut nous empêcher de développer d'autres choses. Là, comme ailleurs, je pense que la diversité sera toujours meilleure pour le développement d'une région parce qu'on ne sait jamais quel créneau ou quel secteur ou quel pôle d'innovation pourrait faire notre avenir. Et c'est ainsi que se termine notre émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouvelles actualités, d'autres coups de cœur, une entrevue avec Roméo Bouchard qui va nous parler d'un livre qu'il a lu récemment pour nous. Sur l'identité québécoise. Bonne semaine tout le monde!